Bonjour tout le monde, c'est Apricolard. Déjà, mais commence un niveau trop tôt, des gants ou des battes. Bon, c'est pas grave. Non, des gants et des battes. Allez, attends. En fait, il y a des trucs qui ont des gants et des battes et puis, enfin. Wow! Et qui peuvent aussi renvoyer les œufs. J'ai oublié de préciser ça. Par contre, on peut les vaincre en leur donnant 3 coups sur leur face de cake. En fait, ce sont des bandits, mais avec. Ils marchent avec les œufs. Par exemple, hop! On peut transformer ces œufs jaunes en œufs. Non, ces œufs. Justement! Mais purée! Ah! Au pire, tu fais ça et puis il meurt directement. Le moins logique du monde. Or, cet ennemi, il marche pareil. Quand tu fais ça, hop, on claque, 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 claque. Pourquoi il fait... Hop, il meurt. Je suis mort. Ah non, mais il m'a zappé là. Enfin, il m'a pas zappé, il m'a happé. Oh, j'ai utilisé le mot happé. C'est une honte pour moi. Eh ben, je m'en fiche. Yippi! Oh. Alors là, c'est le test de vitesse. Ah non, c'est pas le test de vitesse. Oh, une étoile qui saute. Youpi, je suis bébé Mario et j'ai un très gros œuf derrière moi. Ah non, c'est que dans Yoshi's Island DS qu'il est gros son œuf. Oh non, j'ai raté. Ah, oh, tu sais pas viser mon coco. Oh, une pastèque de glace quand tu fais ça. Wow. J'ai tous les ennemis qui sont sur mon passage, c'est trop bien. Sauf que ça... Mais sauf que tu peux pas l'utiliser à l'infini, mon coco. J'arrive à placer des œufs sur le bloc quand même. Je suis fort. Oh non! Tu sais pas sauter. Oh mais c'était pour rien. Là, ça sert à quoi? À rien. Ouh! Une souris! Aïe! Voilà. Et donc ce niveau il est super long.
Waouh, je suis top. Je suis une top. Allez, touche le machin, oui! T'es trop cool, Yoshi! Non, attention, il est pas rose, il est plutôt magenta. Bon, lui, il faut le prendre comme ça! Ah non! Faut juste le spammer tout le coup. Mais taisez-vous! Ah! Toi et ton masque, tu me fais pas peur! Voilà, AP. Oh purée, c'est bon, il m'énerve. Oh puis ça on s'en fiche. Je connais très bien le principe de la... C'est quoi ce passage de l'enfer? Mais purée, deux, trois fois! Voilà, terminé, enfin! En plus, un bonus! Trois fois nappé par une plante piranha quand même! En plus, 37 points. Bon, je connais tous les trucs. Ça, c'est quoi? Ah! Oh, ça sert à rien. Moi, il n'y a pas trop de trucs qui sont mieux. Waouh! Un niveau avec des trucs bizarres. Au menu du poisson, d'accord. Enfin, si ça c'est du poisson, j'aurais plutôt dit une anguille ou un truc dans le genre. Je sais pas pourquoi ça c'est considéré comme un poisson. À ce moment-là, ils sont courageux. Enfin, moi je les ai toujours appelés des courageux, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était à cause de leurs bras, ils avaient des bras qui leur donnaient un air assez classe et donc courageux. Je sais pas. Par contre, ce qui est nul, c'est qu'ils sont grégaires. C'est-à-dire qu'ils vivent en groupe. En gros, il y en a plein partout. Et surtout, quand tu veux en recracher un, en liberté, il va pas comme les masques à se rouler jusqu'à exploser dans un mur. Non, lui... Voilà. Ah, le premier vrai niveau forestier, car normalement, c'est le monde de la forêt tout de même. La grotte, il ne va pas avoir beaucoup, il va avoir que des ennemis grottiers, j'imagine. Pourquoi il faut tant de... Oh, ok, non. Ouah, des fangs. Et le téléphone qui est juste à côté, ah, mes oreilles. Eh, hey, il y a beaucoup de... Bon, il y a des claques, il y a plein d'ennemis partout. Encore?
Deux niveaux consécutifs. Oh! Oh non. Y a rien à faire ici. Ah si, y a un truc à récupérer. Une pastèque. Là, elle est pas de glace, hein, c'est juste une pastèque. Normal. Qui va servir à faire ça. Encore la taupe? Et donc? Ils ont recopié le même truc une deuxième fois ou quoi? Oh non! Allez! Voilà, là c'est mieux. Bon, en fait, j'ai pas eu beaucoup de poissons dans ce niveau. Alors, on peut encore refaire un niveau. Super! Un bonus! À partir de maintenant, il y aura à peu près un boss par partie, j'imagine. Ou pas. Une partie, c'est à peu près 3 niveaux, je dirais. Encore? Oh purée! Je fais un tour sur moi-même sur le fauteuil, donc la manette s'est emmêlée. Ah! Un nouveau niveau avec un gros bout. Ça s'appelle Entre du méga bout. Oh, le nom n'est pas du tout réfléchi. Mais il y a des fantômes, donc santé! Est-ce que je vous fais peur? Ou c'est bien ce que je pense? Alors, eux, on peut les vaincre, les bouts, dans ce jeu. Mais seulement quand ils sont... Et seulement quand ils n'ont pas les... Quand ils... Bah, quand on les regarde pas, quoi. Il faut que ça rebondisse contre un mur pour que ça éclate sur eux. Et là, t'as les étoiles. Oula, ça commence à devenir labyrinthique ce truc. Labyrinthique. Encore un poisson. Poisson courageux. Wow, 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 wow. Et là, il y a des ennemis. Non! Je me suis fait avoir. C'est pas grave. Par contre, ça devient fou. Et ça, j'aime pas trop.
Bon, cette partie va être relativement longue par rapport aux autres. On va faire un petit speedrun. Voilà. On revient à peu près là où on était. Et je me suis fait troller. Ça fait quoi déjà? Ça se fait ça. J'étais sûr d'avoir vu une porte verrouillée, mais où je me souviens plus. Là. Donc c'est un vrai dédale ce château, enfin cet antre. Ah! Oh non, pas trop loin, tu pars pas trop loin. Oh bon, on s'en fiche un peu des fleurs. Hein. À quelque chose de plus intéressant. J'ai forcément dû rater quelque chose. Ah non, j'ai... Je suis stupide. Alerte, je suis stupide. Ah! Ça, c'est pas très long. C'est juste un endroit avec plein de fantômes. Bon, je sais, je vous fais toujours pas peur, mais bon. Ça sert à rien. Je peux même pas en avoir à l'infini. Voilà. Oh purée! Voilà, enfin, j'ai passé ce truc. Et maintenant, on est dans un passage en 3D. Enfin, là, c'est de la pure 3D. Maintenant, on s'est placé sur de la lave en 3D, très lentement en 3D. Ah non, ça va, on peut altérer la vitesse. Ah non, ça va. Je pensais qu'il y avait un ordre. Dégagez! Ça sert à rien? Je perds du temps pour rien. Bon, cette partie va être relativement longue. Hein. Wouah! Des gros éléments 3D que je n'ai pas compris au départ, mais en fait c'est... Oh bah ça va! C'était relativement court. Bon, mon mot d'aujourd'hui c'est relativement. Hein. Bien sûr que l'autre bébé est au château de pause, mais ne crois pas qu'on va te le donner. Camé avec toujours sa petite chanson.
Oh non, j'ai trop mangé, je commence à gonfler. Oh non, au secours, à l'aide. À l'aide, regardez, je suis très gros. Arrêtez de me donner des œufs à manger. Oh non! Pff. Les bouts obèses, ça existe. Je savais pas que même en fantôme, on pouvait être obèse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à la prochaine fois.